Voilà. Et pour finir, Joe, il y a un conseil culturel, comme toutes les semaines. Et oui. Eh bien ça, c'est un film que j'ai adoré. C'est le premier long métrage d'un jeune réalisateur québécois qui s'appelle Ian England. Le film est vraiment extraordinaire. Ça s'appelle 1:54, bande-annonce. La gang, présente-t-il notre nouveau coureur. Bienvenue dans le team, boy. Je veux connaître vos objectifs pour la nouvelle année. Jeff, nationaux 800. Tim, nationaux 800. Lâchez-moi! Vous comprenez pas comment ça fonctionne dans une école, vous? On a un mois pour terminer au top. Je suis pas ta petite bitch qui obéit à tout, OK? Ça va faire, lâche-moi! Là, on va miser sur ta force principale, tes tripes. Quand tu vas être à fond, va falloir que t'ailles encore plus vite. T'es à 1:56. Si tu veux faire les nationaux, c'est 1:54. T'as 2 secondes à aller chercher. Puis ces 2 secondes-là, ça va être les plus souffrantes de ta vie. Es-tu prêt pour ça? Voilà donc 1:54, hein, le titre. 1:54 comme le temps que doit réaliser Tim, le héros qui est un jeune lycéen de 16 ans, le temps qu'il doit réaliser s'il veut se qualifier pour les nationaux du 800 mètres. Tim, en fait, c'est le comédien Antoine-Olivier Pilon qui joue cet acteur. C'est celui qui jouait Steve, vous savez, le héros du film de Dolan, Mommy. Xavier Dolan. Voilà, Xavier Dolan. Honnêtement, Antoine-Olivier Pilon, il est dingue, il est bouleversant, il est hyper juste. Enfin, j'ai vraiment halluciné. Alors, 1:54, c'est pas vraiment un film sur le sport, hein. C'est plutôt un film à suspense, un peu comme pourrait être une course, enfin 800 mètres, où en gros, jusqu'aux dernières secondes du film, vraiment, on ne connaît pas la fin. On ne sait pas si Tim gagnera ou perdra. Parce qu'effectivement, derrière cette histoire de sport, en fait, Tim a d'autres combats à mener. Et c'est hyper beau, hyper dur sur l'adolescence. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai pleuré tout le film. Ce qui est pourtant pas vraiment mon genre. Je trouve ça hyper beau, hyper simple. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai adoré. Donc, courez le voir vraiment. 1:54, ça sort mercredi au cinéma. 1:54 de Ian England. Ça sort effet mercredi. Allez voir ce film de nos amis québécois. Merci Joy, à la semaine prochaine. Salut.